Bonjour, chers camarades. Je voudrais aujourd'hui faire une petite vidéo concernant la reconversion professionnelle. Et nous savons très bien que nous vivons dans un monde aujourd'hui où la plupart des personnes désireuses de se lancer dans le monde professionnel ont déjà, disons, un statut particulier concernant et éventuellement le domaine de leur spécialité. Mais qu'à cela ne tienne, si vous décidez davantage aussi de vous reconvertir suite à un autre domaine que vous voulez vraiment maîtriser, il est très important. Pourquoi? La nécessité et l'importance capitale d'avoir, disons, la maîtrise d'un domaine spécifique est très important, mais si toutefois vous avez d'autres qualités spécifiques ou disons auxiliaires vous permettant de saisir les opportunités peut vraiment vous ouvrir beaucoup de portes. C'est raison pour laquelle, avec cette petite vidéo, je viens dans un cadre bien précis vous faire comprendre qu'il y a une certaine dose de nécessité qui interpelle la conscience des professionnels d'avoir cette, disons, étiquette qu'ils doivent faire imprimer dans leur vie professionnelle. C'est à ce sens que je lance un appel solennel à toute personne qui me suit à l'instant T sur ma page, de comprendre nécessairement que j'organise à chaque fois des séances de formation, des sessions de formation en matière de reconversion ou de renforcement des capacités, mais aussi de développement de compétences, parce que je suis consultant formateur en assistant dans les directions, en communication professionnelle, également en rédaction administrative. Et si toutefois vous avez besoin vraiment de suivre mes séances de coaching, de renforcement des capacités, de développement de compétences, mais aussi de formation et d'accompagnement, je suis dispo. Je vais vous laisser en bas par rapport au contact que lorsque vous aurez besoin ici de me contacter, n'hésitez pas, faites-moi juste signe sur ma page, en me laissant un petit signe en disant que vous voulez vraiment suivre la formation. Et lorsque déjà maintenant nous allons rentrer en contact, on va voir éventuellement est-ce que quelle est la possibilité, la meilleure possibilité, la meilleure manière pour vous de suivre la formation. Si vous êtes distant, on peut organiser des séances en ligne de coaching, on peut se programmer. Et si toutefois vous n'êtes pas assez loin, on peut vraiment, je peux vous inviter à notre siège pour pouvoir discuter davantage et voir éventuellement sur quelle base on peut se comprendre pour lancer la formation et renforcer vos capacités. Alors, chers frères et sœurs, c'est juste ce petit message que je voulais vraiment vous lancer aujourd'hui et passez une excellente journée. Merci beaucoup.